Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay test découverte de The Pathless sur PlayStation 4. Édité et développé par Annapurna Interactive et Giant Squid. Note approximative de 16 sur 20. Sortie officielle le 12 novembre 2020 et PEGI nous le déconseille. Il n'y a pas vraiment eu de PEGI annoncé. À vue d'œil, je dirais 7 ans, mais d'après ce que j'ai pu lire, un petit peu de chagrin pour des violences, pas vraiment de la violence animale, mais on va voir 2-3 animaux souffrir un peu, donc peut-être un PEGI 12. Ouais. Dieu sait que ceux qui sont nés durant mes années, dans les années 90, ou même ceux qui sont en 80 ou début 2000, la violence animale, on y est habitué dès nos 2 ans et demi, quand on regarde Bambi ou le Roi Lion. Enfin bref, Giant Squad, ce n'est d'autre que les créateurs du grand, du puissant, du magnifique, du poétique Abzu, sorti en 2016. Ce sont les mêmes créateurs. Giant Squid, c'est donc une valeur sûre et on attendait The Pathless impatiemment pour ceux qui sont fans de tout ce qui peut être des jeux style Flower, Journey, Gris ou enfin voilà, et j'en passe. Je n'en sais que très peu, je n'ai vu que des vidéos, certains petits spoils sur Reddit, histoire de savoir de quoi parler, bien entendu. De ce que j'ai pu comprendre, il y a la lumière, l'obscurité qui occupe le monde, qui l'envahit. Nous sommes l'une des dernières chasseuses d'une tribu qui est chargée de ramener la lumière dans ce monde. Un être obscur appelé le Déicide corrompt les êtres de cette forêt. On pourrait croire qu'on est en mission pour une espèce de déesse qui représente la nature, un peu comme Gaïa et ses enfants, qui a divers animaux en guise d'enfants et d'esprits protecteurs, et on va devoir tous les purifier. Voilà, c'est un petit peu notre la trame scénaristique principale du jeu. Et dès le début, on a le masque, d'accord. Donc, le masque, lui, vous permet de pouvoir voir, d'avoir une vision supplémentaire, de passer à travers certains murs que vous ne pouvez pas voir quand vous ne vous l'équipez pas. J'avais vu déjà un gameplay avec, mais je ne pensais pas qu'on allait l'avoir de suite. Ça vous permet, bien entendu, de regarder certaines stèles, des messages et autres. Alors, ouais, triangle du coup, pour l'activer. Donc, vous voyez, on peut passer à travers certains murs et cela nous montre aussi ce qui nous attend plus tard. Tout ce qui est en visu rouge. Bien sûr, je ne vous apprends rien. C'est méchant, c'est pas bien, c'est caca, il faut pas y aller. Enfin, si, en l'occurrence, il faut y aller, mais voilà, c'est un peu hostile. C'est un pseudo open world, et il va falloir vous déplacer rapidement. Viser avec L2, tirer avec R2, et ensuite, vous avez un bonus de vitesse pour pouvoir vous déplacer plus rapidement. Ce qui est assez sympa, franchement, c'est très très intuitif, uniquement 2 touches, croix pour sauter. On est sur un gameplay très 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 basique. Vous avez quelques petits messages pour vous en apprendre un petit peu plus sur le lore. Et ça, ce sont des choses que je sais déjà. On limite un petit peu le spoil, même si on est toujours dans la découverte. D'après ce que je sais, il y a toujours 3 stèles, 3 tours représentant des animaux de la forêt. Il faut en activer 3, rendre la lumière à 3 d'entre elles, pour ensuite passer à l'étape suivante. Autre chose à dire, les musiques de fond sont vraiment exceptionnelles. On est sur un jeu contemplatif, très poétique, et ça se voit, ça s'entend, c'est vraiment bon coup. Forcément, il va me falloir du coup le petit symbole pour pouvoir purifier cette tour. Elle sera également, dans le jeu, j'ai pu le voir, accompagnée d'un aigle qui sera son fidèle compagnon. Grâce à lui, elle pourra planer pour faire des sauts un petit peu plus longs. Mais il me semble qu'elle le débloque assez tôt. On verra bien. Ok. Voilà, ça m'a l'air d'être ici.
pas y aller. Oh bah, c'est juste là. Eh ben dis donc, si on purifie de façon... Si c'est aussi simple de purifier, franchement. Il y a des sauts à tenter. Ah, je l'ai raté. Eh ben on va faire le tour. Et on va purifier la petite tour. Donc voilà, mon but étant, comme je vous ai dit, de purifier 3 tours. Et de cette façon, ça vous apprend un petit peu le gameplay, comme on est au tout début. Je pense que... Je vais faire quelques coupures de, pendant ce gameplay découverte. Pour en venir plus au fait. Donc, ne vous étonnez pas si je scinde et si je fais quelques fondus enchaînés. Il m'en reste plus qu'une. Voyons ce qui se passe directement quand la troisième est activée. Allez, on y arrive. Ouais, mais parfois c'est parfois bien de scinder, si j'ai bien fait mes calculs, ouais. Je pense que ce sera beaucoup plus judicieux de ma part, et pour vous aussi, de vous couper quelques séquences de jeu, parce que à part courir tout en visant pour se donner des gains de boost, pas grand chose à faire. Voilà, on a fait les deux tours ensemble qui étaient à gauche, pour aller jusqu'à droite, il m'a fallu un petit bout de temps. Je suis arrivé dans de l'eau, où est-ce que j'avais pas pied? On ne meurt pas, on nage, voilà. Une bonne chose à savoir, nota bene. L'aigle qui nous bloque la route est désormais accessible. Franchement, je le trouve super bien comme jeu. Franchement, je suis conquis. Mais je sais que je suis pas au bout de mes surprises, parce que là, vraiment, on en est vraiment qu'à la face visible de l'iceberg. Voyons ce qui nous attend. On voit clairement que ce pauvre aigle est corrompu. Alors voyons. Il a l'air d'aller mieux, le petit... Enfin, le petit gros, quand même. Je suis minus à côté. Bon. Il a l'air d'être allé, c'est pas en haut d'une tour, peut-être un nid. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ce passage dans les vidéos. Je ne vais plus avoir d'endurance pour monter les escaliers. Oh bon, on y est déjà, d'accord, ok. Ah, il me semble que c'est lui le déicide. Mauvaise idée. Un méchant. Eh ouais, à 5 minutes du début du jeu. Forcément que tu te fais empiffrer, on la connaît cette histoire. On peut pas affronter le méchant dès le début. Ça me rappelle au début de Ghost of Tsushima, quand le Khan nous pète la gueule dès le début du jeu. Ah, ce genre de scénario tellement scripté. Il y a très peu d'animation, mais rien qu'au niveau des yeux, je trouve ça magnifiquement bien fait. C'est incroyable. Donc oui, voilà, le méchant est en haut de cette île. Il y a plusieurs de ses enfants qui sont corrompus. On va devoir les purifier. Chaque purification nous fait accéder à un étage supérieur, nous rapprochant inéluctablement de cette île flottante emplie d'obscurité. Il y a quoi ? Un taureau ? Ou un espèce de dragon ? On en a carrément une hydre. Et le prochain, c'est...
Ouais, nique ta mère. Ouais, mais j'ai pas de connaissances, moi, dans les chimères et les créatures mythologiques. Attends, il ressemble à quoi, ce dernier truc? On dirait un scarabée mixé avec une araignée et un cyclope de bizarre. Bon. Donc il a disparu. Il est mort. Oh mais non! Il y a le petit aigle du coup. Ça y est, il est là. Il est trop choupi! Caresse-le, vas-y. Il ne mord pas. Oh, la belle amitié qui se forme, attention. Caresse l'aigle. Ah, avec le joystick. Ah ouais, ça s'enlève. Donc je dois lui enlever l'impure. D'accord, ok. Ah oui, non, mais il faut vraiment que j'aille avec le joystick vers le haut et vers le bas. Oh, mais c'est trop bien fait, hein. Avec la profondeur au niveau de la main quand elle le caresse, entre l'abdomen et le creux des ailes, c'est... C'était super bien fait. Oh là là, j'adore. Il me suit comme un petit animal de compagnie dans les RPG, il fait des bombes partout. C'est trop mignon. Alors. Ouais, forcément. Il va falloir trouver un objet. Je pense que c'est ce truc bien brillant. Oui, ça m'en a tout l'air. Rond. Ah, c'est l'aigle qui le transporte. Wow, ça a l'air bien lourd en plus, machin. Donc d'accord, on ne fait pas que planer avec l'aigle aussi. Il vous permet de transporter des choses. Sympa. Et bien allons-y. Cool. Donc là, bon, je suppose, voilà, comme c'est un jeu narratif, comme je vous ai dit, contemplatif, poétique, il y a forcément les phases de jeu dit à énigme, avec un petit puzzle game qui vous est proposé. Bon. Et oui, forcément, et la grille va m'en empêcher, mais oui. Parfait, tu vas chercher, tu vas poser. C'est bien le piou-piou, parfait. Ah, tu prends ça. Et tu poses. Ici, ici. Voilà. Ben non, forcément, X rouge, réfléchis 2 secondes, va récupérer le deuxième. Voilà. Donc, bon, je suppose que ce sont que des petites suites énigmes avec des portes à ouvrir. Donc on va continuer d'enchaîner quand même, histoire de voir ce qui se passe. Alors, j'ai passé toute cette phase hein, de portes à ouvrir. Et je suis du coup dans un nouveau monde un peu encore en mode open world. Et je dois affronter l'espèce de taureau. Mais le taureau pour l'instant il se manifeste que par une espèce de d'aura maléfique. Si je m'en approche trop, il faut absolument que je m'en échappe par un jeu de celui qui il ne m'a pas vu, donc je peux m'enfuir. J'ai débloqué également le vol, un vol supplémentaire, un battement d'ailes en fait. On peut même en cumuler, si on récupère certains objets précis, on peut gagner un deuxième battement d'ailes. C'est vraiment pas mal, donc franchement, l'aigle vous aide énormément. Toujours les fameuses 3 portes pour atteindre ce taureau, et j'en suis à la 3e du coup. Je vous ai évité le plus ennuyant. Le voilà, il est là-bas. Vous voyez cette aura machiavélique? Il y a une espèce de sphère jaunâtre là en face de moi. C'est la dernière clé qu'il me faut pour la tour, mais comme je vais être très très proche de cette zone,
il va sûrement me manger, il va me gober, et je vais devoir faire le petit jeu. Pour enlever cette zone, de toute façon, il faut affronter le taureau avec le jeu du « tu m'as vu, tu m'as pas vu ». Donc je vais le laisser me bouffer, faire le petit jeu comme ça me permet de vous le montrer. Voilà, on est dans son monde. J'ai mon aigle qui se fait tège à cause du vent. Et il faut que j'aille récupérer mon aigle sans me faire voir. Voilà le but. Alors, il a poussé son cri, le jeu commence. Il va sûrement... Non, il disparaît, ok, très bien. Où est-ce qu'il va apparaître? Faut juste regarder où est-ce qu'il apparaît tout en se rapprochant de votre aigle. Où est-il? Ok, là-bas. Faut pas bien sûr marcher dans la zone rouge, hein. Sinon, ben, il vous expulse et vous réapparaissez ailleurs et vous devez vous retaper tout le chemin. C'est pas vraiment un game over, hein. C'est juste que vous avez perdu cette instance et vous perdez du temps, clairement. Un peu loin, donc sa vision n'allait pas jusqu'à moi, mais cet arbre peut m'aider à gagner un peu de terrain. Ouh, il s'approche un peu quand même. Il s'approche beaucoup même. Parfait, il s'éloigne. Allons récupérer Piu Piu. Maintenant que je le récupère, j'annihile cette aura d'obscurité qui me permet du coup de faire mes bails en toute tranquillité. Je vais pouvoir récupérer donc du coup ce logo de cerf. Je sais pas, ouais, un cerf. C'est peut-être pas un taureau en fait que je dois affronter, c'est un cerf. Allez hop, on t'enlève tout le truc dégueulasse là du monde du taureau slash cerf. Je sais même pas ce que j'affronte, c'est incroyable. Clairement un truc avec la flamme. Ok, c'est bon, j'ai compris. Enfin, j'espère avoir compris. Oui, et il faut se mettre perpendiculaire. Clac. Parfait. Et on a récupéré le logo et on va pouvoir aller activer la tour. Donc là, il est là-bas cette fois-ci. Et la tour activée, elle est là-bas. Il n'y en a pas d'autres. Parce que vous avez l'embarras du choix. Il y a, voilà, il y a des tours au fond là-bas. Il y en a un petit peu partout, mais ouais, derrière même, derrière le Colisée. Parce que voilà, vous n'êtes pas non plus obligé à chaque fois de vous farcir l'aura machiavélique de l'entité corrompue. Je commence à prendre mes repères dans le jeu, c'est vraiment sympa, il est très très intuitif, franchement, mais même pour les enfants, ça peut, c'est un jeu qui peut vraiment plaire. Vous aimez les jeux style poétique, c'est incroyable. Bon, pour moi, ça n'égalise pas le magnifique jeu Child of Light fait par Ubisoft, parce que j'adore le RPG tour par tour. J'idolâtre les anciens FF, donc c'est pour moi naturel d'aimer un jeu pareil. Et ceux qui n'ont pas fait Child of Light, je vous ordonne de le faire si vous aimez les jeux poétiques. Mais là, on parle de The Passless, donc faites Abzu en priorité. Autant les remercier d'un jeu pareil en faisant leur jeu sorti en 2016. Bas de l'aile, voilà. Bon, ça va, je suis à côté. On va aller purifier cet ultime tour. Et je crois qu'il va y avoir... qu'il va y avoir le monstre en question à affronter. Alors, il me semble que c'est le même que l'on a eu dans le reveal trailer de la PS5. Mais comment vous dire, je m'en fous. Il me tardait qu'une chose, c'était de le faire, surtout ce passage. Et j'espère que c'est celui-là d'ailleurs. Comme ça, en même temps, ça m'évitera
aussi de vous spoiler, de montrer quelque chose qui a été déjà montré en vidéo. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo et que vous le voyez via ce test, tant mieux pour moi et tant mieux pour vous aussi surtout. Ça vous évitera de voir deux fois la même chose. Allez, c'est y part. Voilà, trois tours de fête. Et je suppose qu'il va falloir aller en son centre, là où ça pue. Voilà, on fait apparaître le... On va l'appeler le cerf, hein, vu que il a... ouais, ça a l'air plutôt d'être des bois qu'il a sur la tête et pas des... pas les cornes. C'est bien celui dans le reveal PS5. A savoir, en parlant de la PS5, que si vous le prenez, bon, il est en dématérialisé, si vous le prenez déjà sur PS4, hein, il a l'update pour la PS5 qui est intégré dedans, hein, vous allez pouvoir y jouer également sur PS5. Tous les jeux, de toute façon, que vous avez déjà téléchargés en dématérialisé dans votre bibliothèque PS4, pourront être joués sur PS5. Oh là là, on n'en parle pas assez, mais la musique, mais oh là 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 là, mais quel kiff! L'immersion est grandiose. Rattrapons-le! Je pense qu'après ceci, on terminera ce gameplay découverte, parce que, ben voilà, après il faudra faire toujours la même chose, ce sera un petit peu répétitif, mais bon... Quand on parle de jeu poétique, on est là juste pour kiffer et continuer, on n'a pas envie que ça s'arrête, quoi. Non, franchement, c'est un véritable coup de cœur, ce jeu. Mais clairement, oh, qu'est-ce que j'adore! Je pense que je me... Oui, on a l'air clairement de se rapprocher. Marcher dans les flammes, ça me fait quelque chose. Enfin, dans les petites traces qu'il laisse derrière lui. Faut viser les six yeux qu'il a, quoi. Il en a trois de chaque côté. Oh, d'accord. Monsieur a un pattern. Ok, faut esquiver l'onde de choc. Très bien, très bien. Je le saurai pour la prochaine fois. Alors, ça en fait deux à gauche. Ah, il change de voie. Ça en fait deux de fait à gauche, un à droite. Ah ouais, ok, il me laisse des puits de flammes derrière lui. C'est extraordinaire. Il y a même une méta pour négocier ce monstre, incroyable. Ouais, météorite et tout. Oh, heureusement que je sprint juste avant qu'elle n'arrive. Ah, je suis vraiment mais conquis, vraiment. Il est exceptionnel. Aïe. Allez, concentre-toi deux secondes quand même. C'est pas des météores qui va te faire valser quand même. Hop, deux de chaque côté. Il fait son saut. Ça c'est bon, on était préparé. Pas de panique, hein. C'est uniquement la... ma deuxième manette qui est déconnectée. Oh là 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 là, magnifique. Donc là, il est battu, non? Non, ok, ça a l'air d'être un peu tourné version affrontement final, un peu. Ah oui, non, clairement, oui, on est dans un endroit beaucoup plus close. Ok, double AOE, ok, météore, donc là, va falloir sprinter à ce moment-là. Et ok, on a le visu à ce moment, très bien. Il a un autre pattern, ok, te sauter dessus également. Et ça me permet de lui tirer dessus. Sauter, on tire. Météore, on peut tirer. Quand il fait son onde, on reste à distance. Voilà.
Voilà. Ça va, ça va, ça va. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Non, non. Hop, on se met sur le déco. Voilà. Je crois que ça en fait deux chats, il me semble. Parfait. Je crois que ça va pas toucher. Si, ça a l'air. Je sais pas. Je sais plus. À gauche, il y en a plus. Enfin, à gauche, à droite. Ça, à gauche, il y en a plus. Double AOE. J'ai bien fait de rester dans les airs. Je crois qu'il lui en reste qu'une, hein. Hop là, voilà. Les 6 sont faites. Mais qu'est-ce qu'il... Ah mais il a un autre pattern, quand il en a plus, il te fonce dessus. Ok. Non, il lui en reste. D'accord, ok. Non, ok, je viens de comprendre. Je pense qu'il fallait faire quelque chose au moment où il vous fonce dessus. Je pense qu'il me reste encore son côté droit à faire. Il doit encore en avoir un. Il en regagne deux si on rate le moment où il fonce. Il devait y avoir un truc scripté, je pense. Parce que le jeu vous aide vraiment pas mal en QTE. C'est assez bizarre. Oh non, il s'est décalé juste avant, quoi. Sans déconner. Crève. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah, d'accord, ok. Juste appuyer sur... Ouais, je pense que le premier coup était scripté, en fait, hein, parce que là, on a clairement pas vu la possibilité que l'aigle tire à... Là, ça... Il y a une troisième méta? Mais c'est incroyable! Il y a trois phases avec ce boss? Poursuite, duel et affrontement final, quoi. On se croirait dans des boss de raid. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Ok, ok, d'accord. Une espèce de Nova qui nous fonce dessus et il tire au bon moment pour lui renvoyer. Un petit peu dans les jeux de plateforme comme Crash Bandicoot ou des trucs comme ça. D'accord. Donc c'est ça, esquiver des météores jusqu'à avoir la Nova principale et... Ça va, il me reste assez d'endurance pour pouvoir le faire. Ah, ça y est. Dégage! Ah, ok. Tir final. Oui. Final ou pas? Je pense, oui. Ok, il y a de l'air, vite. Allez, le faucon. Enfin, le faucon, l'aigle. D'accord, ok. Au final, c'était une esquive pour qu'il se mange le pylône. Ok, ok. Putain, mais ça tue! Mais le combat, il était trop épique, en vrai. Il était trop bien. Et ça y est, on a purifié le cerf. Oh là là, incroyable. Putain, c'est ça qui m'attend tout le restant du jeu? Mais c'est fou! Oh, ce que c'est beau. Putain, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. Qu'on me dise une fois de plus, hein, que les boomers me disent que les jeux vidéo attisent tout ce qui est violence, etc. Qu'on me le dise une nouvelle fois. Jouez à Passless pour bien fermer votre gueule, quoi. Vraiment. Oh là là, c'est pour des jeux comme ça que j'aime le jeu vidéo, que j'adore ce que je fais. C'est vraiment pour des jeux comme ça. Mais il est... Pff, la musique, les effets, mais tout est sublime dans ce jeu, c'est incroyable. Oh là 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 là, mais ce coup de cœur, mais je suis in love de ce jeu, clairement. Et voilà, et on passe au niveau supérieur. Très bien, il va falloir prendre ce siphon pour monter au niveau supérieur. La volonté. Oh! Oh! Ah oui! Oh bordel! Oh là 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 là, et je peux battre des ailes de foie sans déconner, vraiment? Oh là 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 là, et en plus il n'y a pas de dégâts de chute. C'est cadeau. Oh là là là, pour négocier ce deuxième niveau, je suis plus que OP. Bon, mais c'est génial. Oh là là, en plus, il fait beau, c'est magnifique.
Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je me dirige vers le deuxième point parce que je vais continuer de jouer, mais je vais couper. J'espère du coup que ce gameplay découverte test de The Pathless sur PS4, qui est dispo également sur PS5, hein, il peut être exporté sur PS5 sans souci. J'espère que ça vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao.